C'est grave ici. Allons là-bas. Comme vous voyez là, nous sommes au niveau du marché des fleurs ici là, c'est grave. Comme je vous dis là, c'est grave. Les taximans ont garé. Et tous qui ne vont plus travailler. Quand on leur demande de ne pas porter plus de 3 personnes, et en même temps, on ne veut pas baisser le prix du carburant, qu'ils vont suivre alors comment? Ils vont faire comment pour travailler? Donc comme vous voyez là, je suis en train de filmer un peu là pour vous envoyer aussi, pour que vous voyez. Paul vient détruire ce pays, je vous assure. Moi, je regrette. Trop, c'est trop. Je regrette d'être Cameroun. Trop, c'est trop. C'est grave, hein? Quand vous dites là, vous pensez que c'est la blague. Voilà, ça va être même déjà. Ça va être des armes. Comme vous voyez là. On va vous envoyer la vidéo tout à l'heure. On va publier tout à l'heure. Et c'est devenu en même temps le problème des bensinés aussi. Hein. Tous les bensinés sont là avec eux. Comme vous voyez, c'est grave. C'est grave. Je vous assure. C'est grave. Bon, enfin, on envoie. Ils empêchent qu'on filme. Là dedans, ils filment en secret. Il y a un problème, hein. En même temps c'est le gouvernement qui dit qu'il ne veut pas avoir plus de 50 personnes, en même temps c'est les policiers qui regroupent encore plus de 50 taximans. Non, on ne comprend plus rien alors au Cameroun. Les dossiers que vous n'avez pas l'argent, vous payez ça. Il contrôle les dossiers, il contrôle même le sujet, il contrôle les dossiers. On va prendre l'argent, vous payez ça. Là, le moment, c'est qu'on va supporter les impôts, l'électricité, tout. Le gouvernement va prendre ça sur lui. Pas derrière la main.